Stéphane, je vous trouve là au terme de l'Assemblée générale des retraités CFDT du Rhône. Vous avez la particularité, comme d'autres d'ailleurs, d'être tout à la fois militante syndicale à la CFDT, militante associative au Resto du Cœur. Oui. Comment vous faites le lien entre les deux ? Je fais le lien parce que ce sont les mêmes valeurs qui sont défendues à la CFDT et au Resto du Cœur, les liens de solidarité, d'attention à la personne, de lutte contre les inégalités. Voilà, donc on s'y trouve bien. En termes de fonctionnement, bon, on sait comment fonctionnent un peu les syndicats, c'est parfois un peu hiérarchique. Au Resto du Cœur, c'est la même chose ou c'est plus souple d'agir ? Oh, pas du tout. Au Resto du Cœur, il n'y a pas de hiérarchie. D'abord, tout le monde est bénévole. Tout le monde essaye d'être polyvalent, c'est-à-dire qu'on est aussi bien à la distribution qu'à la préparation, qu'à l'approvisionnement, ce qu'on appelle la ramasse. On fait le tour des magasins pour récupérer ce qui est les invendus. Voilà. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est plus simple d'agir syndicalement ou au Resto du Cœur dans un mouvement, comme c'est vous le dites. C'est complètement différent. C'est-à-dire ? C'est complètement différent. Bon, ben, le travail au Resto du Cœur est beaucoup plus concret. On a les mains dans le cambouis, hein. Et tandis que bon, l'action de la CFDT est quand même plus, je dirais, plus, entre guillemets, intellectuelle. C'est quand même tout à fait différent.